Ah, Elton John, on va tout savoir de sa vie. Le biopic, c'est aujourd'hui donc au cinéma. Et oui, ça arrive aujourd'hui, Pascal, des semaines, des mois qu'on l'attend. Biopic qui s'appelle Rocketman. Le réalisateur Dexter Fletcher se cache aussi derrière le succès de Bohemian Rhapsody. Vous savez, ce biopic sur Freddie Mercury qui a reçu 4 Oscars. Elton John s'est beaucoup impliqué dans ce film sur sa vie. Les producteurs, il a beaucoup échangé avec le jeune acteur britannique Taron Egerton qui a eu la lourde tâche d'incarner Elton John. Justin Timberlake avait été un temps pressenti pour jouer la pop star britannique. Rocketman nous raconte donc la vie hors du commun d'Elton John. Le film retrace la métamorphose du jeune Reginald Dwight, c'est son vrai prénom, pianiste prodige et timide qui va devenir une superstar mondiale. On replonge donc dans son enfance, un enfant d'une petite ville de province avec deux parents qui ne lui ont donné aucun amour. Il n'a pu compter que sur sa grand-mère. Et oui, c'est assez triste. C'est épouvantable. C'est assez épouvantable, Pascal, mais écoutez, finalement, il a réussi. Heureusement, il avait sa grand-mère, sa détermination et son talent. C'est déjà pas mal. Regardez. Et comment est-ce qu'un petit gros sorti de nulle part peut devenir une star? Il faut tuer l'homme que tu devais être pour devenir l'homme que t'as toujours voulu être. Je crois que je vais changer de nom et m'appeler Elton. Tu pourrais être une star en Amérique si tu voulais. Montre-leur qui tu es. J'espère que tu te rends compte que tu choisis d'être seul pour toujours. Je toucherai toujours mes 20% longtemps après que tu te sois foutu en l'air. Peut-être que j'aurais dû être plus banal. Tu n'as jamais été banal. Alors vous l'avez vu, Pascal, Taron Egerton est vraiment métamorphosé dans le film. Il est Elton John à 100%. C'est un jeune acteur, on l'avait vu dans Kingsman ou encore Robin des Bois. Il a pris 10 kilos pour le film et chaque jour, il passait 2 heures assis pour qu'on lui pose, vous savez, cette perruque avec ce fameux crâne chauve d'Elton John. Il chante, l'acteur, toutes les chansons dans le film. Alors il avait déjà une bonne base, mais il a travaillé le répertoire d'Elton John avec un coach. Il faisait aussi 3 heures de piano par jour pour avoir, vous savez, les bonnes positions et le bon rythme, même si ce n'est pas lui qui joue dans le film. Alors petit bémol, malgré son immense prestation, je n'ai pas réussi à voir Elton John uniquement. Je voyais encore l'acteur, ça c'est un peu dommage. Et le biopic ressemble plus à une comédie musicale. Donc ça c'est un vrai parti pris. Ça peut plaire ou déplaire. En tout cas les costumes, les décors, les ambiances nous transportent vraiment dans la vie d'Elton John. On découvre un homme talentueux, hypersensible, très touchant, un homme accro à la drogue, à l'alcool et qui a eu du mal à faire son coming out. Un homme aussi brisé, je vous l'ai dit, par le manque d'amour. Jérôme Vermeulen a rencontré Taron Egerton, c'était à Cannes, et l'acteur salue le choix d'Elton John. L'artiste dévoile tout dans ce biopic, écoutez. Elton John, c'est quelqu'un qui vit les choses à fond, à l'extrême, à 1000%. C'est un hédoniste, un créatif. C'était ça le but de sa vie. Et le scénario a très bien retranscrit tout ça. C'était un super terrain de jeu pour moi. Je trouve qu'Elton est quelqu'un de très courageux. Il ne voulait pas mentir dans ce film ou enjoliver sa propre vie. Ce qu'il voulait, c'était raconter une histoire humaine et il n'a pas eu peur de montrer aussi le pire. Alors Claire me posait la question, oui, Elton John a adoré le film, il a même pleuré lors de la projection à Cannes car c'est là-bas qu'il l'a vu en entier pour la première fois. Le film sort aujourd'hui, mesdames, et vous ressortirez avec plein de chansons d'Elton John. Ça permet de revoir tous les classiques. Combien d'années de carrière? 40, non? 40 ans de carrière? Au moins, ouais. Au moins, et surtout 300 millions de disques vendus, et les chiffres devraient encore augmenter avec ce biopic. Et je peux vous dire qu'à LCI, nous, on est toujours à la pointe de l'actualité. Regardez notre ami cadreur Gaëtan, il ne l'a pas fait exprès, il nous l'a promis, mais il a mis son joli t-shirt Elton John, aujourd'hui Rocketman, tu vois Gaëtan, tu peux montrer le devant, voilà, parfait. La tournée 2007 en plus. Voilà, la tournée 2007, on a un vrai fan avec nous ce matin sur le plateau.